les esclaves déportés aux États-Unis, dépouillés de leurs biens, déracinés, la musique reste l'un des seuls ponts qui les relie encore à leurs origines. Ils n'ont plus que le grain de leur voix et la couleur de leur peau pour se réinventer une nouvelle identité. Le peuple noir, en mélangeant des éléments musicaux hérités d'Afrique avec des éléments adaptés et empruntés de la culture européenne, va ainsi donner naissance à des formes d'expression comme le negro spiritual, une musique originale d'une incroyable richesse et profondément émouvante. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce premier numéro du magazine musical Sur les traces qui retracent. Sur les traces qui retracent nous fera voyager dans l'univers des musiques noires américaines, du negro spiritual au hip-hop d'aujourd'hui. À travers cette série d'émissions, nous comprendrons comment, durant plus de deux siècles, des champs de coton du Sud au ghetto du Bronx, cette musique noire a véritablement révolutionné la culture et rythmé le combat pour l'émancipation des Afro-Américains. Car oui, son histoire est politique. Alors sans plus tarder, pour commencer cette émission, je vais rejoindre Tetevi Norbert Bipi Bénissant qui nous fera découvrir les origines de ces musiques, d'une de ces musiques noires américaines, le negro spiritual, dont ces chants empreints d'espoir et de ferveur religieuse exprimaient tout le drame des populations africaines déracinées et vendues pour aller travailler dans les plantations du sud des États-Unis. Bonsoir Norbert. Bonsoir Esther. Alors nous sommes sur ce que l'on a appelé la côte des esclaves, la côte des esclaves qui partait de l'embouchure du Niger en Guinée à celle de Logoué au Gabon. Nous sommes précisément à Olodge, ce magnifique complexe sur les rives du lac Togo. La maison Wood, la maison des esclaves n'est pas loin. C'est dire que nous sommes véritablement sur les terres qui ont vu partir les populations africaines aux Amériques pour un esclavage certain. Les racines de toutes les musiques nées aux États-Unis, du blues au hip-hop, se trouvent en Afrique, tout comme les spirituals et les work songs qui ont accompagné et soutenu l'espoir des esclaves enchaînés dans le sud profond des États-Unis. Alors Norbert, pouvez-vous nous situer cette musique, le negro spiritual, dans le temps ? Oui, Esther. Le negro spiritual, pour bien le comprendre, il faut, comme vous l'avez dit, le situer là où il est né, à partir de la moitié du XVIIIe siècle, dans les colonies américaines de la couronne britannique. À cette période, il y a ce qu'on a appelé le grand réveil, le Big Revival. Nous allons écouter donc Gordon Moses. Gordon Moses qui est aussi très connu sous le titre de Let My People Go, interprété pour nous ce soir par le Sunshine Gospel Band. Israel was a G-plank. Let my people go. Oppressed so hard, the good not stay. Let my people go. Go down, Moses, way down Egypt land. Very long, let my people go. De par leur connotation religieuse, on a tendance à confondre les spirituals et les gospels. Qu'est-ce qui les distingue, Norbert ? Ce n'est pas la même chose, en effet. Le spiritual, c'est un chant religieux, mais qui correspond véritablement à la période de l'esclavage. Alors que le gospel est beaucoup plus proche de nous, si on peut dire, et se développe dans les années 30. D'ailleurs, le gospel reprend et continue une tradition particulière, mais à partir du spirituel.
Nous accueillons à présent Sabine Couli, qui est artiste et qui dirige le Lyon Gospel Mass Choir. Elle va nous interpréter Walk with Me, Lord. Merci Norbert d'avoir été avec nous. Nous nous retrouvons très bientôt pour le prochain numéro. Avec plaisir, Esther. Merci également à vous de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons donc pour le prochain numéro qui sera consacré au blues primitif. On se quitte sur cette chanson en prélude, donc au blues primitif. Anytime I got you, baby, I never felt a beat you. Anytime I got you, baby, I hope you feel the same way. Help me now to enjoy your love. Help me now, baby. I feel like I always make love, yeah, when I'm with you.